Marion Cotillard montre une nouvelle fois à quel point c'est une femme engagée. Quelques jours après le suicide de l'avocat et activiste David Buckle aux États-Unis, l'actrice a souhaité lui rendre hommage. Défenseur des droits LGBT et de l'environnement, David Buckle s'est immolé par le feu dans le but d'éveiller les consciences et de sauver la planète. C'est avec un post Instagram accompagné de la photo de l'activiste décédé que la compagne de Guillaume Canet lui a rendu hommage. David Buckle avait visiblement tout prévu. Dans un sac posé sur le gazon, les policiers new-yorkais ont retrouvé deux messages, indique au début de son message l'actrice césarisée, avant de relayer des extraits de ses deux lettres. « Je suis David Buckle et je viens de m'immoler, c'est un suicide de protestation. Je m'excuse pour tout ce bazar », avait-il écrit à la main dans une première lettre, alors que dans la deuxième, on pouvait notamment lire « J'espère que c'est une mort honorable qui pourra servir à d'autres ». Alors que Marion Cotillard a choisi de placer un emoji cœur brisé au début de son poste, de nombreux internautes ont fait la même chose en mettant cet emoji en commentaire de cette publication. D'autres fans de l'actrice se sont empressés de lancer le débat sur cet acte contestataire qui a beaucoup attristé la comédienne.